et bienvenue pour une nouvelle review Transformers avec aujourd'hui le Voyager Class Predaking King de la gamme Transformers Prime Beast Hunters. Donc troisième saison de Transformers Prime, troisième et dernière, et plus courte aussi parce qu'il y a que 13 épisodes. Donc qui commence seulement à passer donc aux États-Unis. Donc pour ceux qui le regardent en VO, bah, on a eu jusque-là 4 épisodes, où on a pour le moment entreaperçu, non, on l'a bien vu, ce personnage-là, donc, mais uniquement dans son alt mode. Je pense qu'on va le voir à terme en mode robot, mais on est sûr de rien, enfin. Donc nouvelle gamme de jouets, enfin nouvelle gamme, on va dire, c'est toujours Transformers Prime, mais donc ça s'appelle Beast Hunters. On a eu des nouveaux jouets, pas mal de remold, plus ou moins réussi d'anciens jouets, d'ailleurs c'est plutôt moins que plus, hein, parce que la plupart sont relativement moches, quelques nouveautés, et donc ce Predaking, donc qui est le premier Predacon à apparaître dans la série, a priori il voulait être le leader, je pense, de ces bestioles, enfin pour le moment il n'y a que lui, encore une fois, on peut penser qu'il va y en avoir d'autres et qu'ils vont a priori se rebeller, on attend de voir ça. On va regarder la boîte, comme c'est une nouvelle vague. Voilà, la boîte, donc Beast Hunters. Alors, vous avez Predaking là, mais en fait, il est sur toutes les boîtes. Hein, voilà, c'est pas juste parce que c'est lui. Donc là, vous l'avez en mode, mode véhicule, en mode bête, donc dragon. Là, vous avez un visuel donc de Predaking avec son épée. Voilà. Voilà, donc inclut les blasters, donc on va y revenir. Voilà, pareil avec marqué, hop, un tyran prédacon puissant. Très bien, nous sommes contents. C'est sûr que un tyran prédacon faible, ça n'aurait pas eu beaucoup d'intérêt. La boîte derrière, voilà, donc Predaking en mode robot. Spoiler de cette review, hein. Le mode véhicule, le logo Predacon, puisque ce n'est ni un Autobot ni un Decepticon, mais un Predacon. Et donc vous voyez pas bien, il y a marqué Blasters plus CP. Donc la boîte plutôt jolie, mais pas beaucoup d'informations, vraiment plus du tout de petits textes, vraiment plus rien. Et puis la notice, achetez un œil aussi, la notice est plutôt jolie. À noter que dans les jouets, ça c'est de l'international, enfin européen, donc il faut que ce soit. Tout soit dans toutes les langues, donc il y avait un petit texte, une espèce de petite histoire, mais évidemment à traduire dans toutes les langues ça prendrait trop de place, donc eh ben, il est purement et simplement supprimé. Donc voilà, Predaking mode robot, donc vraiment joli, franchement, vraiment vraiment joli cette notice. Hop. Voilà, donc toujours les plans maintenant en photo du jouet, non plus en dessin. Donc là on vous montre un petit peu toutes les possibilités. Voilà, non, vraiment la notice est bien détaillé, grand et plutôt joli. Il y a eu un effort qui était fait à ce niveau-là, même si on perd le texte. Alors, notre Predaking, donc, qui est un dragon. Hop, on va essayer de mieux le faire tenir. Voilà, c'est un dragon, hein, pas une espèce, c'est un dragon. Qui est plutôt sympathique. Évidemment, donc, il est comme ça dans la série. Donc, le dragon est plutôt pas mal. Les couleurs sont sympas, excepté que ça aurait été très sympa qu'ils mettent du noir, là, sur les ailes. Donc, je vais le refaire. Je le ferai, il faut que je refuse cette review parce que je n'aime pas modifier mes jeux avant. Vous montrer tel qu'il est au naturel, on va dire. Donc un petit peu de noir sur les ailes aurait été sympathique. En dehors de ça, il est assez joli. Alors vous avez, alors on va montrer tout de suite. Donc il a 3 têtes. En fait, c'est un dragon à une tête. Hein. C'est pas une hydre telle qu'il est montré là. En fait, ça ce sont des armes. Donc vous avez un petit loquet là. Voilà, ça permet de le baisser. Et quand vous appuyez à fond. Normalement, merci. Voilà, donc pareil de l'autre côté. Voilà, donc, alors, c'est un dragon à une seule tête, hein, c'est pas du tout une hydre, en tout cas, a priori, hein, de ce qu'on a vu. Donc, ça, ce sont ses armes. Alors, on aime ou on n'aime pas, je trouve pas ça si mal que ça, mais en tout cas, l'idée est bonne. Hop. Accident de parcours. L'idée est bonne d'avoir intégré ces armes, donc vous pouvez les retirer. Voilà. De mettre des armes comme ça qui s'intègrent bien au mode. Enfin, mode véhicule, hein, désolé. Au mode dragon. Voilà. Donc on les retire. Là, on est sur quelque chose de plus fidèle. C'est quand même
une bonne idée, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, d'avoir fait des têtes comme ça pour le faire en hit, ça s'intègre bien à son alt mode. Donc voilà, on peut ou ne pas aimer. Moi, je trouve que ça fait pas mal. Ça aurait été mieux si la tête avait été un peu plus grande et un petit peu plus en évidence par rapport à ces deux-là. Parce que quand on met ces deux-là, ça a tendance à cacher sa tête. Au-delà du fait que ce ne soit pas fidèle à la série. Voilà, donc on va les retirer. Donc mode dragon plutôt joli, articulation correcte. Donc là, dans ce sens-là, comme ça. Donc là, au niveau du cou, bon, évidemment, ça va être les bras. Et puis les pattes, enfin les griffes sont sur un ball joint. On peut les replier comme ça. Voilà, les pattes à l'arrière, vous pouvez pivoter comme ça, comme ceci. Là, vous avez une articulation et puis les griffes. Voilà, donc c'est correct, ça va, ça permet de le mettre correctement. La tête, alors, vous avez ici une articulation, mais qui est plus prévue pour la transformation. Si vous le baissez trop, en fait, ça va, il y a la tête du robot qui est à l'intérieur, ça va la mettre dans l'autre sens, enfin, ça va la faire dépasser de là. Enfin, faut éviter, je vais vous montrer pourquoi après. Voilà, cette articulation-là, à ne pas vraiment utiliser. Donc, vous avez une articulation là, une ici. Vous pouvez bouger cette partie-là, et puis la mâchoire, là, qui s'ouvre. La tête plutôt jolie, même si, bon, c'est du caoutchouc, enfin, une espèce de caoutchouc plastique souple, de qualité moyenne, hein, malheureusement, et c'est pas les seules parties. Vous avez les griffes également, qui sont encore plus souples. Voilà, mais dans l'ensemble, il est plutôt joli. Les ailes, donc vous pouvez les bouger là, et vous avez deux charnières à cet endroit-là, donc franchement, ça va, les ailes sont bien, on peut bien les mettre. Seul truc qui est dommage sur ce mode robot, bah c'est, enfin, deux choses qui sont vraiment dommages. Vous avez les pieds, là, les bouts des pieds, des deux côtés, là, et ça fait vraiment, vraiment disgracieux, quoi. On a l'impression qu'il y a un truc qui se met autour du dragon, quoi. Voilà. Et puis la queue, qui est plutôt grande, c'est bien, mais pas du tout articulée. Donc ça, en fait, ça va être son épée. Mais pas du tout articulée. C'est vraiment, vraiment dommage. Ça aurait été un gros plus. Voilà. Ce sont ces deux vrais défauts. En dehors de ça, bon, voilà, il est, on est quand même sur un dragon vraiment sympa. Je suis vraiment pas un fan des robots qui se transforment en animal. Mais celui-ci me plaît bien. Voilà, on peut quand même lui donner des 2-3 poses sympas. Donc c'est plutôt pas mal. Comparaison de taille, c'est difficile de comparer par rapport à un véhicule. Mais bon, voilà, le voilà à côté de Cup. Moi, j'avais pris le premier qui me passait sous la main. Donc, qui est un de luxe. Voilà. Et puis, j'ai Bulkhead. Voilà. Donc, bon, à terme de taille, on n'y est pas. Hein. Il est censé être vraiment, vraiment énorme dans la série. En tout cas, beaucoup plus gros que ça. Mais bon, c'est juste un voyageur. A priori, il y a un Ultimate ou je sais pas trop quelle classe qui arrive. Je ne sais pas vraiment quelle taille il fera, s'il sera bien. Mais voilà, en termes d'échelle, c'est un voyageur. Et ça ne fonctionne pas. On va se faire la transformation, qui n'est pas compliquée. Donc vous avez donc ces parties-là que j'ai retirées, mais qu'il faut donc retirer. Vous allez... Alors, transformation n'est pas bien compliquée, comme la plupart des robots qui se transforment en forme animale. Donc vous avez ça qui va être une épée qu'on va mettre de côté. Vous allez mettre les ailes comme ceci au maximum. Vous allez écarter là, séparer en deux. Ça va vous donner les jambes en fait, du mode robot. Les pattes comme ceci. Vous avez un petit picot là, et en fait il va falloir donc déjà mettre ça comme ça. Voilà, replier les pattes du dragon à l'intérieur de la jambe et l'attacher là. Hop, voilà, on entend le clips. On a le pied là. Donc pareil de l'autre côté. Hop, on met les griffes. Alors oui, évidemment, là, du coup, ça vient dans l'autre sens, puisque là, là, vous le rentrez par l'avant de la patte, en fait, et là, par l'arrière. Donc, bon, c'est comme ça, c'est pas vraiment gênant, ça va pas donner quelque chose de vraiment symétrique, mais bon, ça passe, hein, c'est pas bien méchant. Voilà, vous allez faire pivoter le torse à ce niveau-là. Ensuite, vous avez, là, ça va être les bras, hein, tout bêtement, hein, voilà, donc, hop, comme ceci. Vous avez des griffes, là. Hop, enfin des griffes, des espèces de piques, des deux côtés, comme ceci. Les bras, là. Donc ça va être les mains, tout simplement. Et alors, la tête de dragon, vous allez, hop, baisser les ailes. Vous allez ouvrir le torse, faire pivoter ça. Donc là, voilà, il y a la tête du robot qui sort. La tête du dragon, vous la faites pivoter dans l'autre sens, hop. Essayez de... pas évident parce qu'il est plutôt grand. Voilà, donc la tête de dragon dans l'autre sens, vous la repliez. Vous la... Alors là, vous pouvez tout de suite fermer, là, comme ça évitera que ça pivote. Vous avez un picot là qui va venir se mettre là, donc pour maintenir le tout. Hop. Alors, il va falloir replier complètement la tête du dragon à l'intérieur, vraiment à fond, voilà.
replier cette partie-là qui va être la queue du robot là, et vous avez en fait des petits trous là pour que ces pics passent à travers et ne se déforment pas normalement. Si vous avez bien tout mis en place, ça passe bien normalement. Faut faire attention. Parce que tout ça, oui, tout ça c'est du plastique souple, voire caoutchouc, donc c'est assez sensible. Voilà, là c'est bon, ils sont ressortis. Hop, je sais pas si vous voyez bien. Là. Et puis bah après bah c'est terminé. Hop. Après les ailes, bah vous les mettez un petit peu comme vous voulez. Il n'y a pas vraiment de. En plus on l'a pas encore vu, donc on sait pas vraiment comment vont être ses ailes dans l'animé. Alors attention pour le faire tenir, c'est les griffes à l'arrière, c'est pas toujours évident et toujours très stable. Une fois qu'on a bien trouvé l'équilibre, ça va, mais c'est pas toujours évident. Hop. Voilà, la tête, hop, moi j'aime bien relever un peu les ailes. Ça prend de la place, hein, les ailes. Donc quand vous voulez le poser quelque part, il faut avoir de l'espace derrière. Et voilà, notre Predaking en mode robot. Hop, on va essayer d'avoir une meilleure angle. Il est très grand, on revient dans 10 secondes avec un meilleur angle. C'est un peu mieux comme ça. Alors, notre Predaking. Je trouve très réussi en mode robot. Difficile de savoir s'il ressemblera à ça dans la série. Bon, a priori, on peut penser que oui. Vraiment très 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 beau, j'aime beaucoup. Il fait vraiment menaçant. Voilà, le terme qui me vient, c'est vraiment avec toutes ses épines, donc un peu style Unicron là, avec sur les épaules, vraiment des pics partout. Sa tête, j'aime beaucoup sa tête. On va faire un petit zoom là-dessus. Voilà. Il a vraiment une tête pas commode. Donc j'aime beaucoup. Voilà, j'aime beaucoup sa tête. Voilà. Non, un mode robot très joli. Voilà, donc il fait vraiment, vraiment large. Il y a les ailes, je vous dis, qui prennent beaucoup de place. Voilà, parce que si on les met comme ça, ça fait large. Si on les met vers l'arrière, il faut de la place vers l'arrière. Mais... très très bien. En termes d'articulation, alors vous avez une double articulation au niveau des genoux, mais comme il y a la patte du dragon, ça s'applique pas beaucoup plus que ça. Les pieds, pas vraiment d'articulation, c'est juste par rapport à la transformation. Donc là vous avez un double pivot en fait. Au niveau de l'épaule, donc 360 là, ici comme ça, au niveau du biceps ça tourne. Alors petit bémol, au niveau du coude, on peut pas beaucoup le plier, voilà, c'est le maximum, donc je vais retravailler un petit peu ça pour qu'on puisse le plier un petit peu plus. Les mains, je suis pas un gros fan des mains en fait, ça fait vraiment, voilà, ça fait bizarre quand même, ça fait vraiment des griffes plutôt que des vraies mains, quoi. Bon, c'est les pattes du dragon, donc voilà. La tête peut pivoter comme ceci, donc pas voilà, ça passe, et vous avez une légère articulation comme ça, donc ça c'est assez limité. Voilà, donc non, honnêtement, en termes d'aspect, il est vraiment joli. À noter, je l'ai pas dit sur le mode dragon, mais vous avez des transcriptions, enfin des écritures cybertroniennes là, vous en avez sur les ailes, vous en avez sur le pied. Je trouve ça très sympa. Ça fait un peu comme pas des tatouages, mais voilà, des marques un petit peu, ça fait un peu tribal, donc je trouve ça très sympa. Vous avez le logo Predacon là sur son torse. Voilà, les couleurs sont plutôt pas mal, hein. Bon, le gris, c'est du gris du gris plastique. Hop, alors je vous dis, c'est pas évident de le faire tenir. Hop. D'ailleurs ça s'est détaché, c'est pour ça. Voilà. Là, c'est toujours bon. Voilà. Hop, je dis c'est dommage parce que derrière c'est les griffes du dragon et ça tient moyen. Voilà. Donc les couleurs, donc du gris plastique. Bon, le vrai problème de ce jouet, on va dire, il est en termes de qualité. Vous avez les griffes qui sont en plastique très souple, limite en caoutchouc. Vous avez également ça, bon, pas pour les griffes derrière, et surtout au niveau, donc comme de la tête du dragon, bah de la tête du robot. Ça, c'est très très
très très ça fait vraiment fragile. Je pense que ça peut se casser sans trop de soucis, ça se déforme facilement, et quand la tête est à l'intérieur du torse en mode dragon, voilà, vous la rentrez comme, en fait elle rentre là, et si vous baissez trop la tête du dragon, ça va se retrouver complètement derrière, et quand vous allez le ressortir, ça va venir frotter comme ça, enfin ça va vraiment, faut faire attention à ça. Et puis au niveau de l'articulation des bras, vous voyez là, c'est juste donc c'est enfoncé là, mis là-dedans, et là vraiment c'est cette partie-là, ce plastique, ce bout de plastique-là fait vraiment très très fragile. J'avais vraiment, au début il tenait vraiment pas beaucoup, hein. C'était vraiment très très loose, mais surtout on a vraiment vraiment, vous voyez là, ça on sent que ça sort facilement et que ça peut casser sans problème. Pareil au niveau des ailes. Les ailes étaient très très loose à ce niveau-là surtout, donc j'ai mis des petits points de colle en fait pour renforcer tout ça. J'ai peur également qu'à ce niveau-là ce soit à terme, ce soit très loose ou que ça se casse facilement. Donc vraiment je crains beaucoup pour ce jouet en termes de qualité. C'est un petit peu obligé surtout au prix où les vendent, parce qu'ils sont vendus très très cher. Donc la jambe s'est encore barrée derrière. Hop, ils sont vendus très la galère pour le faire tenir, voilà. Ils sont vendus très très cher, donc c'est un petit peu abusé qu'on les vende à ce prix là alors que ce soit franchement en termes de qualité, je pense que c'est quand même assez merdique. Voilà, au niveau des ailes, vous pouvez les mettre un petit peu comme vous voulez, donc soit vous les relevez complètement comme ceci, ça lui donne vraiment encore plus d'envergure, donc vous pouvez les mettre à mi-chemin là comme cela, ou alors comme ils le mettent eux, qui pondouillent un petit peu comme ça, ce qui fait sympa. Voilà, vous faites un petit peu comme vous voulez. Ces armes, vous avez sa queue là, qui se transforme en épée. Normalement, vous êtes censé la mettre dans la main comme ceci, la refermer, et voilà. Sauf que ça tient très 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 moyennement. Là, ça tient à peu près, mais franchement, voilà. Vous voyez, dès que la main s'ouvre, ça... C'est vraiment, même dans l'autre sens, c'est pas formidable. Donc moi, ce que je préfère faire, en fait, tout simplement, je trouve que ça tient nettement mieux et ça passe bien en termes d'esthétique, c'est de mettre, en fait, par l'extérieur, comme ceci, là, voilà, vous le mettez dans un sens ou dans l'autre, hein, après, le vrai sens, c'est comme ça. Et là, vous pouvez y aller, ça tient sans problème, ça passe bien, voilà, on n'a pas vraiment l'impression que c'est à l'extérieur, bon, sauf par là, évidemment, quand on regarde là, mais je trouve ça nettement plus stable comme ceci. Et puis vous avez ces armes à feu, si je puis dire, décidément, alors ça, je vous dis, ça se barre, et c'est chiant, parce que ça tient pas, du coup. Ces armes, donc les têtes, les espèces de têtes d'hydre là, vous pouvez les mettre au niveau des bras, comme ceci, vous avez un trou là, là vous avez la forme de la main qui est sculptée pour pouvoir le mettre, et voilà. Ça lui fait un bras en canon, donc il peut toujours tirer. Et à noter également que vous pouvez soit en mettre un sur chaque main, soit mettre les deux ensemble, comme ceci, là ils s'attachent. Et à noter qu'il y a un mécanisme qui fait que quand vous bougez un, ça bouge l'autre également. Donc plutôt pas mal. Bon, en soi, les armes font pas très esthétiquement, c'est pas génial. Hein. Voilà, c'est... Ça fait trop gros, ça fait un peu bizarre. Mais bon, voilà, elles sont simples. Hop, ce n'était pas prévu. Voilà, bon, vous en mettez un à chaque bras comme vous voulez. Voilà. Bon, moi, personnellement, je ne les mets pas, hein, ni en mode robot, ni en mode dragon. Voilà, mais en soi, c'est une bonne idée. Après, on aime ou on n'aime pas. Moi, je suis pas un gros fan, mais ça reste que quand même, ça se marie bien avec sur le mode dragon. Donc, c'est plutôt une bonne idée. Maintenant, je ne suis pas un gros fan, mais voilà. Hein. On va se faire une petite comparaison de taille. Bah, je l'ai à côté de Monsieur Soundwave. Voilà. Donc il fait clairement plus gros, hein. Il y a pas, hop, on essaie de le faire tenir bien. Il fait vraiment vraiment plus gros, c'est du voyageur, il n'y a pas de souci. Voilà, je l'ai à côté de Optimus Prime, donc le robot in disguise. Il est plus grand également, hein. Enfin plus grand. Il y a les épaules d'Optimus, voilà, mais si on regarde à ce niveau-là, la tête, c'est kiff qui file un petit peu plus grand, sachant qu'il a les jambes un peu écartées. Voilà, bon, et puis Optimus Prime, on en a un nouveau qui est sorti également. Et puis le voilà
en face de Megatron. C'est à peu près la même taille. Je pense qu'il sera un petit peu plus grand, compte tenu que son mode dragon est quand même beaucoup plus gros que Megatron dans l'animé. Donc, bon, a priori, je pense qu'on sera pas à l'échelle. Je pense. Je ne suis pas sûr, on verra bien ce qu'ils vont nous faire dans la série. Voilà, bon, il a quand même pas mal d'envergure, donc c'est plutôt pas mal de ce point de vue-là. Franchement, la taille est bien, il est bien proportionné. Vraiment, j'adore l'aspect de ce robot, encore une fois. Vraiment, j'aime beaucoup ses jambes. C'est juste donc dommage au niveau de la stabilité. C'est assez moyen. Et puis donc, la qualité du plastique me fait peur. Mais sorti de ça, je le trouve vraiment très très bien. Je suis un gros gros fan de ce robot. Il est vraiment, j'ai hâte de le voir dans la série en tant que robot. Je pense qu'il va être assez charismatique. Et vraiment, je trouve qu'il est vraiment très très beau. Même si je vais le retoucher un petit peu, il est très beau. On va revenir en mode pas véhicule mais dragon. Alors, pour revenir en mode beast, donc dragon, on enlève son épée. On va commencer par replier ça, ces deux parties. Tout de suite positionner les pattes, comme ça ce sera fait, hein, dans le bon sens. Voilà, vous allez ouvrir ça là, baisser ce qui va faire la queue, rabaisser cette partie-là juste ce qu'il faut. Vous voyez, comme je vous disais, là, ces parties-là, si vous poussez trop, ces pics vont passer derrière et risquent de l'abîmer. Voilà, on met la tête dans le bon sens. Les bras vont après venir comme ça, les ailes pour le moment là. Alors, on va sortir les pattes de dragon des deux côtés. Vous allez replier ça comme ça et là comme ça. Donc là, pareil, dans l'autre sens. On pivote donc ça comme ça, dans ce sens-là. La queue, on la fait pivoter dans le bon sens. Donc là, vous allez... Il y a un petit picot à mettre à cet endroit-là. Hop. Alors, c'est pas toujours évident parce que c'est sur une double charnière. Et il y a une des deux articulations qui est toujours plus loose qu'une autre. Voilà. Voilà. Hop. Donc là, on fait pareil là. C'est deux parties là qui gênent. Donc là, c'est chiant parce que c'est juste l'article. Là, voilà, hop, là, ça va être bon. Normalement. J'ai jamais de problème, hein, pratiquement. Et là, évidemment, voilà, c'est bon. On peut rattacher les deux jambes ensemble. On replie les pieds, là, pour que ça fasse le moins moche possible, dirons-nous. Et puis après, bah, vous positionnez, hein, tout simplement, vous lui donnez la posture que vous voulez, ou que vous pouvez, dirons-nous. Hop. Comme ceci, là, on est bon. Hop, là, voilà, on y est pratiquement. On va lui remettre sa queue. Donc son épée, un peu bizarre hein, comme épée d'ailleurs, hein, faut bien le dire. Il faut bien le dire, j'en ai pas beaucoup parlé. Son épée, elle a une drôle d'allure. En plus, elle va un petit peu de traviole. Donc, quand il l'a dans la main, ça donne un aspect assez bizarroïde. Mais enfin, bon. Hop. Et puis voilà. Hein. Le tout, c'est de lui mettre. Voilà. Là, eh ben, on est pas mal. Hop. Il n'y a pas derrière là qui pourrait être un peu plus. Hop, voilà. Petit pause. La bouche, c'est plus sympa. Et voilà, hop, les ailes, bon bah, hein, voilà. Et puis bah, si vous voulez, vous pouvez lui remettre, le transformer en hydre, dirons-nous. Là, en tant que dragon comme ça, il me fait penser un petit peu à Bahamut de la série Final Fantasy. Il ressemble un petit peu dans ce style-là. Hop. On enfonce là. Et voilà notre
Preda King, a priori chef des Predacon. De retour, un mode dragon, un mode hydre même. Hop, on va enlever un peu la tête. Voilà, donc retour, bah, je dis pas bien compliqué, mais juste au niveau des jambes, on a toujours un petit peu de mal à mettre les pics dans la queue. Bon, c'est parce qu'il y a une double charnière, donc c'est pas toujours évident, ça se met pas toujours comme on veut. Mais voilà, donc en définitive, que penser de ce robot? Encore une fois, je suis pas fan des Transformers, donc en alt mode animal. Et celui-ci, bah, je le trouve plutôt réussi, hein. Le dragon est vraiment, vraiment sympathique. Gros bémol au niveau du corps, là, les jambes autour, ça fait assez disgracieux. Et puis la queue qu'on aurait. Voilà, qui est pas mal, hein. Elle est bien, mais vraiment il aurait fallu pouvoir la plier, quoi. Ça aurait donné vraiment un meilleur aspect. Et puis voilà, les poses sont un peu limitées malgré tout. Et puis les armes, bon, bah, chacun pense à ce qu'on voudra, hein. on est pas obligé de les mettre en même temps, ça, donc voilà, on aime ou on aime pas, on les met ou on les met pas. Un peu plus de couleur au niveau des ailes. La qualité du plastique, encore une fois, elle a l'air assez moyenne. Le mode robot, par contre, je l'adore. Attention à la stabilité quand même, mais franchement, en dehors de ça, je trouve vraiment ce jouet très très bon. Vraiment vraiment très bon. J'aime beaucoup beaucoup le mode robot, j'adore son aspect, il est bien bien proportionné, il est vraiment excellent, j'ai hâte de le voir à l'écran. Bon, maintenant le souci, c'est qu'ils sont vendus très cher, c'est un petit peu abusé, là ils viennent de sortir, j'espère qu'ils vont baisser franchement, parce que là les prix sont vraiment vraiment abusés, donc à voir si vous êtes prêt à mettre le prix pour l'avoir ou à attendre un peu, peut-être ils ne peuvent pas augmenter, quoi, je vois pas comment pour augmenter, donc peut-être attendre une baisse des prix, ce qui est souvent le cas quand une nouvelle gamme arrive, les prix sont très chers à leur sortie, puis ils baissent ensuite, hein. Ça avait été le cas l'année dernière pour les premiers R.I.D. Voilà, bah écoutez, encore une fois, un jouet très très bon que moi j'aime beaucoup, je suis pas déçu, donc je vous encourage à essayer de vous le procurer, encore une fois, attention au prix quand même. Voilà, je vous remercie tous d'avoir regardé cette review. Je vous dis à la prochaine. Transformers.